Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va être sur quoi? Alors vous avez peut-être vu le titre, c'est vrai, vous avez peut-être vu le titre. Mais, regardez pourquoi. Alors on va regarder un peu les commentaires, 38 commentaires. Alors c'est quoi le prochain dino? J'attends vos propositions. Spammer. En tout, j'ai compté, hein. Faites-moi confiance. En tout, j'ai compté à 7 succo et Maitria. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, Isox, il a compris. Il a spammé. Voilà, Isox, grâce à toi, eh ben, tu vas avoir le Maitria. J'ai l'impression que, bon, tu es un peu minoritaire, mais, tu as spammé. Donc, il y aura le Maitria. Prochaine Zino, spammé. Du coup, on rentre dans le jeu quand même. Et on va faire le Maitria. Alors, Maitria Cantosaurus. Hop, 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 on se calme. Alors, Maitria Cantosaurus, on peut faire masculin, féminin. Ok, bon, pour l'instant, ça n'a pas de grand impact. Et il y a l'espèce, il y a le Parkeri, le Circumpiscus, Pictus. La différence. Ok, elle est peut-être un peu plus ronde. Et il y a le Latronemus. Et franchement, il est stylé, lui, avec ses petits poils. On va prendre lui. Alors, on a le Maitria Cantosaurus qui est ici. Il est beau, qui est beau. Alors, là, il a deux attaques. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va faire les petits cris. Ouais, ok. Très bien. C'est cri gentil, ça, d'accord. Le cri de peur. Cri méchant. Voilà, cri de peur. Bah, c'est pas trop peur, c'est plutôt appel. Et les petites émotes, il nous fait quoi? Est-ce que tu t'étires toi aussi? D'accord, tu auras un peu à droite à gauche, très bien. Il me fait la même chose là, ok, je me trompais, c'est bon. Ok, il n'y a pas d'autre émote. Ensuite, coucher, tu ressembles à ça, d'accord. Coucher complet, tu ressembles à ça, d'accord, très bien. Et ensuite, il y a encore quelques trucs à tester, hein. Il y a... Première attaque, tac. Voilà, et deuxième attaque. Ça, je crois que c'est pour mettre du poison. Parce que je crois qu'il empoisonne celui-là. Et maintenant, on va voir la stam et la vitesse. Et il m'a l'air de courir plutôt vite, le bogo. Il m'a l'air de courir plutôt vite, hein. Ouais. Est-ce qu'il saute? Yes, il saute. C'est bien. Et maintenant, il est temps de se battre, j'ai envie de dire. Il faut que j'aille à The Dome. Ah oui, d'ailleurs. Au passage, je vais me poser un peu vite fait. On va voir si on prend vite sa stam. Ouais, ça a l'air correct. Un peu comme le Cerato, ça a l'air correct. Et par la suite, ce que je vais vous montrer, c'est une carte. Bon, la carte du jeu. Marche toujours pas. Mais par contre, j'ai une autre carte. Alors, que l'un d'entre vous m'a donné. Je vais essayer de voir ça. Faut que je parle comme ça. Le micro, il est là. Ok, alors. Ok, la carte, la voilà. Là voilà, c'est l'un d'entre vous qui me l'a donné, donc merci à toi dans les commentaires de m'avoir partagé ce post Reddit. Si vous la cherchez, venez sur mon Discord qui est en description de cette vidéo et vous aurez un lien qui vous amènera à cette carte pour vous aussi la télécharger, la voir auprès de vous pour ceux qui jouent à Path of Titans. Du coup, on peut un peu se repérer. Alors du coup, bah, le problème c'est qu'on est où? Et du coup, donc, on est ici à dans ce lac. On reprend notre carte. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Pap. Je suis ici. Normalement, je suis là. Hein. Je vais aller là. Je vais aller à Turtle Island. Turtle's Point. Je vais aller au Grand Lac, en fait. Parce que c'est toujours là que ça se passe. Donc, faut que j'aille là-bas. Voilà. Bon, on va partir par là. Non, pas du tout. Par là. Bon, bah, c'est de la joie. Ah, non. Bon, bah, on teste la nage. Bon, c'est un caillou aussi. C'est un caillou, voilà, bon, d'accord, très bien. Bon, les dinosaures qui sont pas aquatiques, ils savent pas nager, tout simplement. Donc, normalement, le grand lac, il est par là, donc on va aller par là. Et on va essayer de croiser du monde, ce serait intéressant. C'est sympathique, voilà, hein. C'est un, comme je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie sur le Ceratosaur. Incroyable vidéo. Le point négatif du jeu, pour l'instant, c'est que vraiment, bon, voilà, c'est un peu... Non, putain, le serveur, il restart. Vas-y, chier quoi, à chaque fois que je fais une vidéo, le serveur il restart. Ouais, ça aussi c'est un point négatif, hein. Le serveur il restart toutes les deux heures quoi.
Je voulais dire quoi? Voilà, je suis sorti de mes gonds. Je suis sorti de mes gonds, là. Arrivé à Dark Falls. Oui, le point négatif du jeu, c'est que... Bah, pour l'instant, c'est très vide. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de dinosaures sur les serveurs, on est 50 au lieu de 200. Par contre, la map, elle reste immense. Bah, ça fait que c'est vide et que vraiment, pour croiser du monde, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde se donne rendez-vous au lac qui est là-bas. Mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. On essaie d'y aller. Et ça peut être un échec. Franchement, pour la vidéo du... Oh putain, non, on meurt pas. Eh merde. Y'a un mec. C'est quoi? Ah, oh, c'est un conclavé d'un tort. Je vais éclater. Voilà, empoisonné et un saignement. Tu vas mourir. Tu vas mourir! Vide-toi de ton sang! Mais je cours plus vite que lui! Bah, rentre-toi, du coup! Voilà! Voilà! Et toi à côté, par contre, pas fou! Paf! Toi aussi! À ton tour! Enfant du démon! Voilà. Oh, il m'a l'air super fort celui-là. Il m'a l'air super fort. C'est incroyable. Il met du saignement et de l'empoisonnement. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, allez. Alors, toi je te mangeais, t'es un herbivore. Voilà, ouais, je me casse avec un morceau de toi. Non, ça il faut pas le faire. Faut pas le faire parce que... Ah, il mange. Ok, il mange bien. Hein. C'est pas mal. Hein. Vas-y, go. Go becter, frérot. Mets-toi bien. Ouais, faut surtout pas se balader avec de la bouffe dans la bouche. En dehors du fait de ramener de la bouffe à son nid. Parce que sinon, bah, c'est clairement... Bah, si tu te fais surprendre par un autre dinosaure, tu peux pas frapper. Donc, l'intérêt, c'est de pas... Se balader avec de la bouffe dans la bouche. Pour être prêt au combat. En permanence. Le combat, le combat, le combat. Et il m'a fait une bonne impression, ce dinosaure. Il m'a fait une très bonne impression. Le concavenator, il a pas fait un pli. Lui, je l'ai tué en deux coups. C'est vraiment pas mal. On va poursuivre notre folie meurtrière. Il va falloir essayer de choper quelque chose d'autre. Non, le serveur, il va redémarrer. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, le serveur. Et ouais. Ne fais pas ça. Allez, déconnexion. Allez, vas-y. Alors, ce n'est pas un problème. Une petite coupure de serveur et on met ce temps à profit pour que je vous explique quelque chose d'incroyablement, exceptionnellement, hyperment important. Et cette chose se trouve sur ce petit graphique que je tiens tout droit de mes données analytics de YouTube. Alors, regardez ça. Sur le mois de novembre, 57% des visionnements ici présents sont réalisés par des non-abonnés. Et ça, ça va pas. Alors, je remercie grandement ici les 42% d'abonnés qui regardent mes vidéos. Ça fait plaisir. Mais ce que veut dire ce graphique, c'est que sur 1000 vues, 1000, voilà, vues qu'on a ici, oh, t'es, c'est vraiment écrit comme un chacal. Ça veut dire que 576 vues sont faites par des non-abonnés. Et ça, c'est pas bon. Oh non, c'est pas bon. Les 576, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des likes. Voilà, je veux 500 vues, 500 likes. Voilà. Comment ça, il y en a qui aiment pas? Hein? Comprends pas? Alors, voilà. Hein. On aime tous, on s'abonne tous, on commente tous, et on fait plaisir à Togmar, qui vous fait plaisir en mettant des vidéos de qualité. On va retourner une game. Oh, direct! C'est râteau! Je vais te bouffer! T'es mort! Viens là! T'es mort! Paf! T'es foutu, mon pote! Avec ton serrato là, t'es mort! Ouais, non! Non, 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 non! Eh, je cours plus vite que toi, frérot! Non, pas fou! Je cours plus vite que toi! Paf! Allez! Ouais, par contre, il va fort le bougre!
Vide-toi de ton sang. Non, merde. Ouais, il frappe super fort. Vas-y, je me casse. Je me casse. Il m'a fait très mal, hein. Il m'a fait très très mal, le Cerato, là. Oh, y'en a un autre. Y'en a un autre, Maitria. Yeah, frérot. Vas-y, on le bouffe. Voilà, tiens. Vas-y, frérot Maitria, défonce-le. Tiens, je t'ai griffé le cul. Yes. Gentil, Maitria. Voilà, c'est bien. Bon, heureusement qu'il m'a aidé. Heureusement qu'il m'a aidé parce que le Cerato, il a tapé fort. Après, le truc, c'est que je cours beaucoup plus vite que lui. Donc, bah, ouais, Maitria est quand même plus sympa. Hein. Quand même plus sympa. C'est bien, mon pote. T'es bien, mon pote. Tu m'as bien aidé. T'es cool. Vas-y, je vais me poser. Je te fais confiance. Tu me bouffes pas. C'est bon, arrête de bouffer. T'as mangé un truc tout à l'heure. Et attends, tu viens de remanger, là. Il y a un truc qui gueule là-bas, là. J'ai entendu un truc crier. Viens. Viens. Viens, voilà. Hé, hey, cours, bordel. Tu manges, tu cours pas, et il va t'arriver des sales trucs. Oh. Y'a quoi, là? Ouais, je l'ai démonté, lui. Lui, je l'ai démonté, c'est un Cerato. What? Ça se TP partout. Y'a quoi? C'est le carnage. Y'a les crocodiles qui s'énervent. Viens là, le Cerato. C'est bon, les crocos, j'ai mangé. On est pas fous, les crocos. What? C'est drôle parce que dès qu'il y a comment, y'a tout le monde qui s'énerve. Vas-y, le local là. Laissez-moi manger. Bah, il me casse, bravo. Plaf. Allez. Gros sac de crocodile. Il y a quoi? Oh, il y a des crocos albinos. Magnifique. Magnifique. Salut les gars. Salut tout le monde. Oh, le maîtrier, il a attaqué le croco. Vas-y, je vais l'attaquer, je vais l'aider, je vais l'aider, je vais l'aider. Ouais, par contre les crocos ça fait trop mal. En vrai je pense que... Ouais, quoi, c'est là. Ouf. Plaf. Yo. C'est le bordel. Oh, y'a un truc à bouffer là. Oh, y'a un Cerato. Voilà. Trop fort le Maitria. Gros 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 gros. Toi là, tu veux quoi? Tiens. Oh, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Le Kentro là. Il fait mal lui, oh. C'est trop mal le Kentro là. Tiens, je te tape la gueule. What? Oh, quel crocodile. Rend pas fou. Oh, les crocodiles, ils arrivent à monter là-haut. Yo. What? T'es fou lui. Non. Vas-y gros, barre-toi. Fui. Eh oh. C'est le bordel. J'aime trop dans ce jeu, genre, à chaque fois que tu tapes quelque chose, y'a tout le monde qui s'énerve. C'est, ça dégénère, mais à un point, c'est trop bien quoi. Vas-y, le Spino rend pas fou. Alors, la vie, elle se régène, d'accord? Mais est-ce qu'elle se régène plus vite si on est couché? Peut-être aussi, hein, je sais pas.
sais pas du tout. Le succo aussi, il m'a l'air badass. J'ai envie de tester de me le faire, mais pareil, je pense que c'est pas possible. On va tenter. Pousse ! Mais je l'ai mis mal, mais en fait le truc c'est que les sarcos ils rendent fou. Yo, gros, j'ai des soucis, va pas là-bas, tu vas mourir. Les sarcos, c'est des Kaira quoi. C'est des Kaira les mecs. Genre dès qu'il y a une embrouille sur leur plage, ils te sautent tous dessus. Vas-y, rendez pas fou un peu les sarcosuccus là. Ouais, c'est parti. Le succo qui est là, je l'ai mis super mal. Je crois, hein. Je vais essayer de lui remettre des coups. Mais je pense que si je le mets vraiment trop mal, il va se casser dans l'eau. Là. Bon, tu cours trop... Non, il m'a attiré. Ah, du coup, il attaque... Non. C'est mort. Racaille de Sarcosuku, je vous l'avais pas dit. Je vous l'avais dit. Les mecs, c'est des patrons, genre sur la plage... C'est eux qui décident. Est-ce que tu meurs? Est-ce que tu vis? T'as le droit de te battre? T'as pas le droit? Les mecs, ils sont là. Ils imposent leur loi à tout le monde. C'est les plus forts. Visiblement, c'est les plus forts. J'ai hâte de tester Spino. On va les défoncer. Je vous le dis, on va les défoncer. Sinon, pour le Maitria Kantosaur, écoutez, je trouve qu'il est très plaisant à jouer. Il est rapide. Il a beaucoup de stam. Il reprend vite sa stam. Il saute. Il saute plutôt loin. Il frappe. Alors, je sais pas s'il frappe fort. Mais en tout cas, il frappe avec du saignement et avec du poison. Et ça, c'est bien pour tomber les plus gros dinos que nous. Notamment en groupe, je pense que celui-là, il a vraiment une possibilité de jouer en groupe. Vraiment, je le préfère large au Cerato. Il est plus fort, je trouve, parce qu'il a du bleed et du poison. Il court plus vite, il a plus de stam. La stam, je suis pas sûr qu'il en ait plus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement et tout, comme je vous l'ai dit, c'est important. Pour terminer, toujours pareil, votez, spammez. Déchirez-moi les commentaires pour me dire avec lequel on joue. Alors, je vous laisse la possibilité entre Spino, Concavenator, Succo, tchuss!